Fragile. La structure, c'est pour celui-ci en tout cas, c'est de l'aluminium recouvert de toile. Déjà un biplan, c'est rare de voir un avion biplan avec deux ailes. Donc ça fait penser à un vieux coucou en fait au départ. Hein. Ça fait penser à un avion assez ancien, mais en fait c'est un avion très très moderne. D'un avion très léger et donc très moderne avec des moteurs modernes. Mais c'est vrai qu'au départ, quand on voit l'avion, on se dit tiens, c'est un vieux coucou. Quand Dimitri m'a fait le brief, j'étais très très concentré en fait sur ce qu'il me disait. Je voulais surtout pas faire de bêtises, marcher au mauvais endroit, casser du matériel, surtout sachant que derrière il y avait un vol qui allait se faire, donc casser un matériel et du coup en l'air, il peut se passer des choses. Donc non, j'étais très très concentré sur ce qu'il me disait. Il n'y avait pas de souci là-dessus et je pensais pas trop au vol. J'y pensais un peu avant au vol, mais une fois que j'étais dans le brief avec Dimitri, j'y pensais plus du tout. Au fond, tout au fond. Déjà, quand l'avion démarre effectivement et qu'on installe le casque, première chose, c'est que déjà on n'entend plus rien dans le casque. Donc on se retrouve un petit peu isolé à ce moment-là, jusqu'au moment où Dimitri branche son casque et du coup il peut me parler. Là, on se rend compte vraiment que, en fait, je vois rien, quoi. Je vois pas ce qui se passe devant. Et je me rends compte aussi, puisque Dimitri me dit, lui, il voit vraiment rien du tout. C'est-à-dire qu'il voit que ma tête. Donc là, là, ça fait un peu bizarre, quoi. Sur le moment, on se dit, bon, comment il va faire pour voler ? Voilà. Alors là, c'est vrai que dans au moment où effectivement du roulage, il explique bien ce qu'on va faire. Il me dit bien déjà que si j'ai un souci, j'hésite pas à le dire. Si je veux qu'il fasse quelque chose, il me dit que je lui dis. S'il veut que je fasse pas, qu'il fasse pas quelque chose, je lui dis bien aussi. Donc il explique très bien. Il est assez pédagogue là-dessus. Donc c'est très clair et c'est très rassurant. Donc c'est vrai qu'au roulage, au démarrage de l'avion, on se sent rassuré, on n'a pas une appréhension en fait sur ce qui va venir en fait. Un peu avant que l'avion décolle, le roulage sur l'herbe, c'est assez intéressant de voir ça parce qu'on se rend compte que l'herbe, c'est vraiment pas un terrain de football bien nickel. Donc c'est malgré tout, il y a un peu de nid de poule, on se secoue un petit peu. En plus, comme il voit rien devant, il fait un roulage en zigzag pour voir un coup à gauche, pour voir un coup à droite. Donc ça, c'est assez impressionnant. Et puis quand on se met en position de décollage, donc déjà c'est le souffle de l'hélice, donc là d'un seul coup on a le souffle qui vient, en plus moi j'avais pas mis mes lunettes et c'est à ce moment là que je me rends compte que tiens j'ai pas de lunettes, donc je remets mes lunettes et là déjà ça va beaucoup mieux et puis ça part, donc là c'est vraiment sympa, il fait bon, en plus il fait beau, on est aéré par le vent de l'hélice et tout se passe bien, on n'est pas trop secoué en fait. Impeccable, le décollage super.
une fois qu'on se retrouve en l'air, effectivement, à 250 mètres, parce que je regardais un petit peu l'altimètre, j'essayais de comprendre un peu. Je voyais bien qu'on était effectivement entre le 2 et le 3, donc ça devait être 250 mètres. Donc on n'a pas déjà l'impression de vertige. Il n'y a pas de vertige en fait. Donc là-dessus, non, il n'y a pas de vertige. Et c'est vrai que c'est super agréable. C'est vraiment agréable de voler, de voir effectivement Compiègne d'en haut, de voir la piste d'atterrissage, l'aérodrome. Non, c'est vraiment agréable, on est bien. Et puis et Dimitri détend, discute un petit peu, pas trop. Moi, je n'osais pas trop parler, je n'avais pas envie de le perturber en fait. Hein. Donc j'écoutais ce qu'il me disait, je lui répondais un petit peu à ses questions. Voilà. Les premiers virages, c'est vrai que les premiers virages, on sent un petit peu les jets, on se sent un petit peu collé dans le siège. Donc pour l'instant, rien d'impressionnant. Et sur le retour, enfin le premier retour, puisqu'on a fait, on a volé 3-4 fois, on a fait 3-4 fois le tour, il simule une panne d'hélice. Donc là, d'un seul coup, le moteur tourne toujours, je pense. Hein, je pense que le moteur tourne toujours, il n'éteint pas le moteur. Malgré tout, on voit bien que l'hélice tourne doucement et que l'avion, il n'y a plus trop de bruit et l'avion plane, quoi. Et donc, pour récupérer de la vitesse, il fait un piqué sur la piste. Et là, je m'accroche un peu. J'avoue, j'ai fermé les yeux pendant 2 secondes. Et là, c'est le grand saut, quoi. Puisqu'il pique vraiment sur la piste et il redresse pour effectivement récupérer un peu de vitesse et puis pour ne pas s'écraser surtout. Hein. Donc là, premier petit frisson, voilà. Et puis ensuite, deuxième frisson, on revient en fait pour simuler un atterrissage. Et là, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais l'avion se met sur le côté. Épique, et là on fait vraiment un plongé sur le sol, et pareil, Dimitri redresse l'avion. Donc là c'était impressionnant, mais là j'ai pas fermé les yeux, parce que je m'attendais à avoir ce genre d'image, donc là j'ai bien ouvert les yeux, j'ai bien vu ce qui se passait, bon, c'était vraiment super. Moi, je conseille à mes amis, à mes enfants, à mon épouse. Et je suis prêt à revenir, refaire un baptême. Bon, moi, j'ai déjà eu mon baptême aujourd'hui, mais c'est super, ça serait super d'en faire un autre. Mais effectivement, de refaire un baptême, de revenir avec mon épouse, mes enfants, et de leur dire « essayez ça », c'est vraiment génial. Ça vaut le coup d'être vécu. C'est bien au-delà des sensations qu'on peut retrouver dans les attractions, dans les parcs d'attractions. Easy to walk away, see it's not down to you to fight and stay, to see this through. Don't want to be afraid. Hard not to hesitate, but we can't wait to be the change, to be the change, to be the change, to be the change. There's a better way.